Faire avancer la pensée tout en évitant de la faire reculer, stigmatiser la réflexion pour offrir à l'humanité de plus larges horizons, tel est le but, telle est la mission, telle est l'ambition de ces cabarets philosophiques qui vous sont proposés par la revue « Il est déjà trop tard ». Bonjour Daniel. Bonjour Roland. Dans Bonjour. Le cadre de cette vaste réflexion sur le réchauffement de la planète, on s'aperçoit que la situation, Daniel, est de plus en plus dramatique. Évidemment, parce que il y a énormément d'enfants aujourd'hui qui ne peuvent plus finir leur glace parce que, évidemment, ces glaces fondent avant même que cet enfant touche la chair de la glace et ces enfants se mettent à sucer des bâtons, ce qui leur déforme complètement le palais. Pauvre chéri. Petit bambin. Moi, j'ai envie de dire qu'on est dans une situation. On est dans un incendie. On est dans un incendie, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cet incendie, Roland ? Peut-être qu'on peut fonctionner à la manière des moines taoïstes, qui profitent des forces de l'adversaire pour le contrecarrer. Et là, en l'occurrence, on se retrouve face à un feu. Et un feu, ce sont principalement des flammes, certes, bien sûr. Aussi de la fumée. C'est de la fumée qui va vers le ciel. Et derrière le ciel, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'espace, tout simplement. Et si on veut s'en sortir de cette planète enflammée, il faut partir le plus rapidement possible vers l'espace. C'est formidable ce que vous êtes en train de me dire. Parce que ça veut dire qu'il va falloir construire à partir de maintenant des vaisseaux spatiaux, tout simplement. Bien sûr, mais attention Stéphane, parce que les vaisseaux spatiaux sont souvent faits à base de titane. Il faut savoir que le stock mondial de titane est gardé jalousement par les Américains dans des bases secrètes, dans le désert, dans le point 547, dans un désert du Minnesota, dans le New Hampshire, et puis souvent gardé par un mur d'enceinte de GI de plus de 3 mètres de haut, avec des dents en laiton. Et surtout qu'autour de ces GI, il y a souvent des douves, mais des douves énormes dans lesquelles on a mis des piranhas qui sont gorgés d'acide et qui sont capables de vous lacérer. Quand je dis lacérer, c'est lacérer le visage en un moins de deux. Et autour des douves, souvent des mines antipersonnelles dissimulées bien sûr. Dans des vases en terre cuite, dans lesquelles ont été cachées des plantes carnivores qui se jettent sur vous pour vous attraper la gorge et vous la dévisser en un quart de seconde. Sans compter que ces GI, souvent, on leur a mis du verpillé sur la tête pour éviter qu'on les escalade. Alors, c'est pratiquement impossible. Alors, Kansantien, moi je dis les grands mots, les grands moyens. Il faut aller chercher ce titane. Qui c'est qui va ? Daniel, quand est-ce que vous y allez ? Non, moi je peux pas parce que je dois aller chercher mon chien et puis aller chez le vétérinaire. Bon, j'ai pas le temps de. Bon, Roland, quand est-ce que vous y allez alors ? J'ai ma famille. Mais allez-y, Stéphane. Il y a Nadine qui a posé ses congés, faut que j'en parle un minimum, quoi. Quoi qu'il en soit, ces solutions, elles existent sûrement. Il suffit juste de creuser la tête. Merci Daniel, merci Roland. En ce qui nous concerne, on va continuer à chercher pour prouver que non, il n'est pas déjà trop tard.